Bonjour les amis, c'est Mobio et on est de retour sur Fable. Dans l'épisode précédent, notre petite sœur nous avoue que Jack of Blade en fait tient notre mère emprisonnée. Et nous, on va devoir chercher l'archéologue pour pouvoir la sortir de là. Parce qu'il connaît un chemin pour y aller. Du coup, qu'est-ce qui se passe par ici? Là, c'est pas raqué quoi. Oh, mais il y a un coffre. Plein de pognon, ça fait plaisir. Quoi là-dedans? Y'a rien. Quoi là-dedans? Un livre. Quoi là-dedans? Un rubis. Génial. Tatouage. Potion d'élixir, oui, bien sûr. Un coffre avec 10 clés. Affûtage, génial. Tatouage, d'accord. Barre pour tatouage, je sais plus. Bon, ok. Là. Élixir de volonté. D'accord. Bon, là, il y a du... Il y a de quoi boire là. Il y a du monde. Ouais, c'est quoi les boutons? Je me rends fou ça. J'ai déjà oublié quel était. Le bouton de voilà, ok, c'est ça. Bon, alors, compétence, moi c'est inventaire, équipement, équipement, voilà, potion, santé, potion de résurrection, santé, potion de santé, élixir, voilà. C'est parfait. On va y retourner. Dans équipement. Les popos. Voilà. Et deux. Volonté. Wouhou. Voilà. Il y avait quoi de beau sur la tombe? Le frère de cette tombe. Terminé. Ah, mais. Ah, voilà. Joli tatouage. Ouais, génial. Il est beau. Il me plaît bien. Alors. Et on a pêché. D'accord. Coucou.
Bon, tu veux quoi, toi? Célibataire interdit. Il te faut un boulet. Un chic avec un titre. D'accord. Vas-y, pose-toi. Encore une fois. C'est tout. Ça se passe comme ça. Bon. On va pêcher. On se calme là. Nickel. Et qu'un argent. Parfait. J'en ai 12 sur 30. Un peu pion, mais c'est pas grave. Bon. Tout à l'heure. La lampe torche, c'est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, il y a un truc pour ça. Une carte de quête importante vous attend à la guilde. Toujours pas? Faut que je parle à quelqu'un? C'était ça le truc? Tu veux me dire qu'on peut pas la faire? Il faut qu'il fasse nuit, je suppose, peut-être. Ah, c'était de ça. C'était la nuit tombée. On ira quand il fera la nuit. Je discutais avec le clampin qui est là-bas. Salut mec. Je me demande bien pourquoi je me lève tous les... Parfois je me replonge dans le passé et ces jours heureux. Lorsque je n'étais pas seul au monde. Ma pauvre Amanda. Pourquoi la maladie nous a-t-elle séparés? Parfois je me replonge dans le passé... C'est tout? Il disait que chaque jour serait mieux que la veille. Foutaise. La vie n'a aucun sens, ma pauvre Amanda. Parfois, je me replonge. D'accord. Ok. On va retourner au village. Alors, j'ai essayé de farmer l'argent en... Coucou. Je me sens en sécurité avec vous. Que tu peux me vendre? Ravi de vous servir. Des armes. De merde. Mais des armes tout de même. Ok. Bon. Whisper est mort. Magnifique! Votre triomphe était pour le moins brutal. Bravo! Brutal. C'est le mot. Je prononce bien. Allez, au village. J'ai du pognon. Ça ne sert à rien, il n'y a pas d'armure de plate. Polium. Parfait.
Magnifique. Libérateur. Je prononce bien. Alors, par ici. Toi, tu vends quoi? Nous nous retrouvons. Ravi de vous servir. Casque de maille radieux? Oui. Tout de suite. Pantalon de cuir radieux, je m'en fous. Je veux du plâtre radieux, moi. Il n'y a pas ce que je veux. Botte de cuir, botte de cuir. Bon, bah voilà. À part. Bon. Whisper est morte. Votre triomphe est sécuritaire. J'ai moi le casque. Alors, on va s'équiper du casque. Équipement. Chapeau. Voilà. Il manque le pantalon et les bottes. Quel homme. Je commence à avoir la classe à force. Toi, tu vois quoi? Salut. Ravi de vous servir. Ok. T'as de la viande? De la viande. La bouffe, alors. Viande rouge. Acheter 32. Hop là. Whisper est morte. Votre triomphe était pour le moins. Oui, mon triomphe était brutal. C'est bien, c'est bien. Ah ouais! Hey. Pas encore tout à fait nuit. Est-ce que je peux pioncer là un endroit? C'est pas mal. Oui, hop, dodo. Voilà, il fait nuit. C'est parfait. Tiens, tu vas me dire quelque chose peut-être toi? Un texte différent parce qu'il fait nuit? La vie n'a aucun sens, ma pauvre Amanda. Parfois, je me replonge dans le... Ma pauvre... Oh, ok, tu me dis que d'elle. C'est pas grave. Je me demande bien pourquoi je me lève tous les matins. Est-ce que je dois le savoir ou... Voilà, c'est ça que je veux. Alors, la torche, c'est 2. Bâtiment gris. On va aller là-dedans, quand il fait nuit. 1, 2, 3, 4, 5. Non, toujours pas. Pourquoi? C'était ça le mot de passe. Non, d'accord. Tant pis. On va aller à la quête alors du coup. Alors, on va se téléporter. Parce que c'est un peu loin. Alors, laquelle de deux héros? Ouais, allez hop, on y va. Ah, parce que je veux la Bowerstone en fait. Salut. Hop, on prend ça aussi. Sauver l'archéologue.
maîtriser le siège. Marchand perdu. Hop. On va prendre celle-là aussi. Allez. Marchand perdu, il a qu'à rester perdu. Que puis-je faire pour vous? Rien de spécial. Bon. La tente est un peu. Bouge là. Bon, je cherche quelqu'un pour m'en. Si vous m'aidez, je vous paierai. Bon. Si vous décidez. Désolé. Alors. Salut le garde. Ah, il fait nouveau nuit maintenant. C'est malin. C'est malin, il fait nuit maintenant. Bon. C'est ouvert, je peux y aller. Bonjour. Oh, bien sûr. Vous êtes assez célèbre pour entrer. Bah oui, que je suis célèbre. Ok. Bowerstone Nord. Bienvenue à Bowerstone Nord, héros. C'est un quartier tranquille et nous tenons à ce qu'il le reste. D'accord. Nous n'aimons pas les gens discourtois ici. Alors attention à ne pas finir en cellule. Ok. On a un fou furieux en cellule ces temps-ci, mais il ne fera pas de vieux os derrière ses barreaux. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Lady Grey souhaite vous parler. Vous trouverez Sa Majesté dans les jardins du manoir. C'est un grand honneur, même pour un héros. Alors, sachez vous tenir. Ouais. Bon, moi, je parlais au fou furieux, moi. Je pourrais faire. Avez-vous parlé au maire? Non. Amusez-vous bien. Le débile, il est où? Il est là-bas. Terrible danger! Salut! Enfin! Quelqu'un qui parlait. Vous devez m'aider! Ouais. Le maire a prononcé mon exécution. C'est ce qui arrive quand on pose un peu trop de questions par ici. Cette femme est un démon! Mais personne ne veut me croire! Parce que je me suis trompé en accusant les gardes de contrôler nos rêves avec nos réserves d'eau. Sa sœur était un ange! Elle aurait fait un excellent maire. Et je sais que Lady Grey l'a tué. Je le sais. Vous devez m'aider à le prouver. Sinon, Power Stone restera en sa possession et je serai exécuté. Oui, bien sûr. Oui, enfin, nous allons mettre cette folle à genoux. Il suffit que le spectre de sa sœur vous dise ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qu'il y a? On sait tous que les fantômes existent. Vous en avez vu, et moi aussi, on en a tous vu. La sœur de Lady Grey, Amanda, avait un amant, Rodri. C'est un brave homme qui traîne souvent à Barrowfields. S'il y a quelqu'un qui peut la sortir des ténèbres, c'est bien lui. D'accord. Puni de mort pour avoir parlé. Quel... Bonjour. Vous savez, un homme de votre envergure devrait rendre visite au maire. Elle vit dans le manoir de Bowerstone, le grand bâtiment là-bas. Ouais, non, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je vais l'accuser d'un meurtre. C'est plus cool. C'est bien plus cool. Passez une bonne journée. Voilà, alors, retour. Ogval. C'était Ogval. C'était Ogval. Pognon. Pas par là. C'est par là-bas.
Bon, il est où l'armand là? Salut. Il disait que chaque jour serait mieux. Amanda. Oui, bien sûr, je la connaissais. Je pense à elle tout le temps. Elle était tellement belle, tellement pure. Elle avait peur que sa sœur découvre notre relation et l'utilise pour l'empêcher de devenir mère. Je ne suis pas noble, vous savez. Nous nous voyions en secret dans la cave de la demeure Gray. J'allais discrètement aux écuries et j'allumais ma lampe 3 fois pour l'appeler. Une nuit, elle n'est pas venue et la porte de la cave était fermée. Sa sœur, Elvira, qu'on appelle maintenant Lady Gray, m'a dit qu'elle était morte d'une terrible maladie. Puis la maison fut abandonnée. Et je ne suis jamais allé... Désolé, j'ai du mal à en parler. Ok. Oh, moi, je vais en parler. Moi. Je vais discuter avec un fantôme. Alors, 3 fois, hein. C'est pas le bon bouton. Voilà. Vous êtes sérieux? Ça a désactivé tout? Ah, j'ai peur. Alors, hein. Désolé. 2, 3, 4. Voilà, bah. Ok. Salut toi. J'ai fermé les yeux et je me suis vue mourir dans ses bras. Maintenant, je ne le reverrai plus jamais. Et puis ma sœur a tout pris. Les gens doivent savoir la vérité. Prenez cette lettre. Montrez-nous ce qui s'est passé. Excuse-moi, mais moi j'ai le profit avant tout. Hein, ta lettre, elle patiente. Il n'y a rien à creuser. Non, que dalle. Bon, je vais couper de ta lettre alors. Hein. Alors, ta lettre. Bien. Vous savez donc la vérité. Amanda était une idiote trop sensible. Elle manquait de poigne pour diriger Bowerstone. Elle aurait fait de cet endroit un taudis égalitariste. Mais ne faites pas attention à ces détails.
Nous pouvons toujours être ensemble. Je suis à vous. Vous n'aimeriez pas être mère? Pensez au pouvoir. Tout sera à vous. Donnez-moi simplement la lettre. Bah oui, tiens, cadeau. Une sage décision, mon cher. Mais il reste une chose que vous devez faire avant d'obtenir ma main. Un autre héros souhaite m'épouser. Il s'agit de ce pitoyable Tonnerre. Il n'est rien comparé à vous, mon amour. Mais vous pourriez le vaincre en duel pour nous en débarrasser pour de bon. Vous le trouverez sur le pont près de la prison de Bowerstone. Après cela, nous serons ensemble et nous pourrons oublier tous ces tracas. Ouais. No problem. Être mère, nickel, me semblait. Bon, ben, si l'épisode vous a plu, ben, vous mettez un pouce vert. Alors pourquoi, j'ai pris j'ai accepté de lui donner la lettre, parce que je vais devenir mère et parce que je veux surtout l'épée qui est là-bas. Super épée là-bas et je la veux, et parce que là ma hache est vraiment pourrave, j'aimerais continuer l'histoire sans trop galérer, donc je prends cette épée. Donc si l'épisode vous a plu, bah vous mettez un pouce vert, si vous avez pas pu vous mettez un pouce rouge, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.